Et salut à toutes et à toutes les patates, c'est Freddy78. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du championnat. On est toujours au leader avec 2 points d'avance sur l'adversaire du jour, Lyon. Donc on va commencer le match. Donc là, bon, on touche pas, il n'y a pas besoin. Voilà, je fais reposer un peu Lucas. Donc je mets Di Maria à la place. Bon, Krychowiak et Rabiot sont toujours là puisque Verratti et Mota sont blessés. Et même je pense que Mota perd sa place de titulaire puisqu'il se fera prendre la place à mon avis par Verratti. Rabiot fait des trop bons matchs pour que je le laisse sur le banc. Non mais attends, Kudanva 21h27 novembre, donc voilà. Bah moi je vous propose que c'est parti. On va attendre le début et le coup d'envoi. Bon, c'est vrai que c'est toujours un peu long. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé, et ravi d'être à vos côtés. Avec cette OLPG, pas de doute, on devrait se régaler. Ouais, belle affiche, sont de loin les deux clubs français les plus titrés depuis les années 2000. Je suis que les ont été les premiers à battre Paris en 2016 dans leur nouveau stade. Le Paris Saint-Germain qui reste sur un bon résultat ouais, mais bon. à domicile face à Nantes. L'équipe avait signé un match plein en s'imposant 6-2, avec évidemment toute la confiance que ça implique. Ils sont encore en mesure de gagner, évidemment. C'est vrai que plus on met des buts, plus on est en confiance niveau attaque, moins on s'en prend, plus on est en confiance niveau défense, et plus on gagne, bah, plus on prend confiance dans les matchs. 62 buts marqués, mais j'ai joué combien? 14 matchs, je crois. Hey, je vais arriver à 100 buts avant la 19e journée. Je vous laisse découvrir Faut que je me calme. L'Olympique lyonnais aujourd'hui. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Mamana. Pas mal, non, toi. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. D'accord. Allez, on est concentré les gars, on est concentré. Architecture très moderne. Hein. Et en effet, le concepteur a posé un toit qui court le long des tribunes d'un seul tenant. Le niveau architectural, le niveau de cette position, une performance. Le match qui sera placé sous la direction Mitré. De Monsieur Alexei Potrepkin. C'est marqué Sébastien Mitré, gros. J'en fous. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont engager les hostilités. Allez, c'est parti. Hop là. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, très bonne récupération, il y a danger. Le tir. Bien joué, Grigor. Ah, passe pas loin, je pense. Première vue, elle passe vraiment pas loin. Bien joué. Cavani. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, la passe en profondeur. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus pro. Grigor va te remplacer. Enfoiré. Les 30 derniers mètres.
Le centre est bon. Nabil Fekir. Oh putain. Faute défensive. La frappe de la seconde chance au pauvre gardien. En même temps, j'ai demandé une tête à Maxwell, il l'a fait une. Il a touché du pied. Il va s'apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, Bradley Maier. Il y a quand même déjà un très beau palmarès, hein, Bradley Maier. Surtout que sa carrière n'est pas terminée. Champion de Portugal, champion d'Espagne, champion de France, vainqueur de la. La médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin, 2008 également. Je l'avais mis, celle-là. Ouais. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Allez, on se concentre, on se concentre, on se concentre. Ah, ils sont nombreux, il faut pas cacher ce ballon. Ah, non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Maxime Gonal. Tolisso. Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. C'est un centre. Le dégagement du point du gardien. Oh, bon, bon, bon. Passe. La frappe. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Non, non, ça va s'arrêter là. C'est un jeu. Mais attends, j'ai pas fait faute là. Marquinhos. Kovac, Edinson Cavani, Aurier, Cavani, Edinson Cavani. Donc on apprécie généralement à la fois la polyvalence et l'esprit combatif. Ça c'est sûr que côté combativité, il n'y a rien à redire. C'est quelqu'un qui court beaucoup, qui fait de très bons appels. Moi je lui reprocherais toujours une technique un peu défaillante et le fait de rater quand même énormément d'occasions de but. Atembe Larfa. Oh bah. C'est pas fini. Alexandre Lacazette. Le Lyonnais qui essaie de porter le danger. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Il choisit la frappe. Lacazette. Non, oh, putain. Super peut-être qui ne laisse plus de chance au gardien. Papa, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon. Sur ce but. Allez, il se démarque la tête, c'est imparable. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Ouais, t'inquiète, je vais en mettre un. Maxwell. Allez, l'attaque. Tricoliac. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Et la voilà la frappe. Et Larfa a lancé dans la profondeur. Ouais, la frappe. Tolisso préfère repasser par Lacazette. Attention, contre-attaque. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Atembe Larfa. Blaise Matuidi. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Je sais pas pourquoi il m'a fait ce geste. Maxwell. Non. Et ce ballon qui trouve sur sa route, Maxime Delalon. Oh là 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 là. Allez, putain, je demande Thiago Silva, putain, c'est pas difficile. Ah, c'est dégagé. Et ce sera encore. Putain, obligé de spammer le bouton pour avoir Thiago Silva, quoi. Non, monsieur arbitre, y'a pas faute. Il se laisse tomber. Reste calme. Atembe Larfa. Le public et lui, le courant, ça passe pas trop.
Les tirs. Ah, quelle frappe, quelle frappe magnifique. On sent vraiment le spécialiste. On revoit les buts de Lyon, hein, sur coup franc. C'est magnifique de la part de Noël. Mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph. Bon, alors, faut pas les laisser en contre-attaque, faut pas les laisser des coups francs à petite distance. Mais j'ai des joueurs qui ne bougent pas. D'accord, il a pas fait la passe que j'ai demandé. Jérémy Morel. Hop là. Le tacle, ça sort en touche. Maxwell Cornet. Morel. Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Il m'a fait lui. Bien, ils construisent tranquillement. Oui, dans la course. Le tacle propre, le ballon toujours en jeu. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie... Non. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Tu dois pas me refaire le coup de face à Bordeaux, quoi. Je demande à un joueur, il le donne à l'autre. Clément Grenier. Yes. Oh, la belle tête. Surtout qu'elle... Laisse-moi tu dis. Ah putain, j'ai passé l'espace. Oh putain. Il est dépossédé du ballon. Bon centre. Oh joli. Et la défense qui se montre vigilante. Cavani. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Allez. Ah, ils vont avoir une super occasion de marquer après cette faute. Très bon coup franc. Bien. Le coup franc qui va être frappé. Oh, le ballon tueur. Mais c'est... c'est pas possible. Non. Monsieur l'arbitre, je demande à retirer le coup franc. Ah non, les boules. Ah ouais, non, mais alors, si la malchance s'en mêle, c'est dur à dire. Qui essaie de porter le danger. Amad Imaya. Et le duel est gagné par le défenseur. Oh, joli. Bon allant. Attention à cette bonne passe en profondeur. Krekoviak. Et Maria. Maxwell. Laisse-moi tu dis. Il passe le dos pour Di Maria. Peut-être yes. Une opportunité, attention. Ah, il n'a pas très bien donné son ballon. Et défenseur wow. A senti le coup. Maxwell. Là tu dis. Il veut le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, le bon ballon. Cavani, la frappe. Quand même. Et c'est un but. Ouais, il réduit un peu l'écart. Mais écart déjà très conséquent. C'est que le début. Ouais, bon j'ai but. Pas l'intention de me faire battre par le deuxième. À terre et ça passe à gauche du gardien. Surtout que je passerai peut-être à 5 points d'avant. 5 points d'avant, ce serait pas mal. Je pourrais me permettre une défaite lors de la prochaine journée. Les 30 derniers mètres. Non, ça n'ira pas plus loin. Ouais, bon ben oubliez ce que je viens de dire. Allez Maria. Ouais, c'est bien osé ça. Ah, il ne trouve pas son partenaire, l'intention était bonne. L'action était pas. Était pas moche. Hein. Ouais, une, deux.
Maxwell. Attention, il a du champ. Ah, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Ekoliak. Adrien Rabiot. Ouais, un bon ballon d'attaque. Et l'équipe adverse qui récupère cette passe de Cavani. Ekoliak. La tête met la fin. Edinson Cavani. Waouh, pas assez fort. Relayé par la défense. Maxwell Cordé. Maxime Godin. Oh, ouais, joli. Une situation intéressante là. Ekoliak. Maxwell. Matuidi. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Attention, ça peut être dangereux. Allez, il y a du monde. Ah, mais venez pas aider, surtout les gars. Un coup à jouer. André Di Maria. Allez, deux secondes, voilà, merci. Rapidité, vivacité. J'ai juste le fil qui me gênait. J'ai résumé à peu près les qualités de André Di Maria, Pierre. Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Maintenant, bon. Pour qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les temps. Ouais, mais je fais pas des bons matchs avec Di Maria. Ouais, bon timing. Ok. Sur ce tacle. Je te préviens, il y a but. Potentiel, oh, magnifique. Il va faire un but. Le centre. Laisse le CSS. Voilà. Et ce centre qui est capté par le gardien. Ah, tu veux que je fasse une contre-attaque comment là ? Là, tu dis. Il passe le dé pour Di Maria. On écarte le jeu. Ouais, c'était le mort. Sera pour personne. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Non, non, déjà un, il n'y a pas faute, c'est lui qui me pousse. Ouais, alors que je vois qu'il y a un joueur qui ne se relève pas. Oui, l'arbitre l'a vu aussi, il arrête tout naturellement le match. Ça serait mal à terre. Ouais, bah là, le joueur blessé ne peut plus continuer. Tolisso. Clément Grenier. Alexandre Lacazette. T'as votre sentiment m'intéresse sur ce joueur, Pierre. Ah, c'est l'archétype de l'attaquant, difficile à prendre. Hop, hop, hop. Oui, parce qu'il écrase beaucoup, donc c'est dur de le suivre. Mais c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon ? Ah, belle sortie. Mais. Ça, je passe pas mais non plus la touche A pour faire des passes quand même. On dans la casette. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, hop, je préfère faire ça. Sors pas comme t'as fait, Alphonse. La défense qui récupère le ballon sur ce corner mal négocié. Cavani. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Bonjour. Elle l'aurait mieux pris que ça. Ah, il y a combien en plus ? Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Il prend sa chance. Corner. Mais pourquoi t'as fait une tête? Pardon. Autant t'as fait une bonne frappe. Si tu fais une seule bonne action dans le match, on va pas chier loin avec toi, Tigor. Tolisso.
Ouais, bon timing Oh là là là, mais il est chaud lui là. Les Lyonnais qui essaient de porter le danger. Ouais, bonne touche. Intervention, ballon en touche. Bon, j'ai mon Serge. Calisso, ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Le PSG bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Ah ouais, non mais là, c'est pas possible. Blaise Matuidi. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Touche. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Ah, je pense que l'arbitre a hésité là, pendant assez longtemps. Hein. Ok. C'est un jaune. Juste une question, allez où la faute? De siffler faute sur cette intervention. Ouais, faute, pas d'accord. D'hésitation du côté de l'arbitre. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Maxwell. Oui, ça circule bien, hein, construise tranquillement. La passe de Matuidi interceptée. Krikoviak. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Oh, Angel, il aurait pu la récupérer. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ils construisent, ils font tourner. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Krikoviak. Ils sont bien en... Pardon, ils sont bien en place, les Lyonnais. Adrien Rabiot. Krikoviak. Au long de la ligne de touche. Ils vont faire sortir la défense, hein, c'est clair. La bonne André Di Maria. Quand même. 3-2 gros. Bon, encore un but. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Et je crois qu'il la touche. Hein. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il la touche. Juste revoir le dernier ralenti. Ouais, c'est celle de la touche. Il la freine, mais il peut pas la stopper. Ou la contrer, du moins. Ça stopper une main comme ça, faut le faire. Contrer, c'est plus possible. Hop. Oh, bien joué. Ah, désolé. Évitez de faire des mains trop près des filles. La casette. Ouais, c'est le gardien qui s'interpose cette fois. Et la balle du doublé pour lui, mais il vient buter sur le gardien. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. On a dit que le ballon avait été touché. C'est pour ça que j'ai taclé, je savais qu'il allait toucher. Tembe Larfa. Ouais, pas de soucis. Le gardien qui capte bien ce ballon. Christophe Jallet. Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Allez, au moins. Christophe Jallet. Ah, il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le. Faute, mais il y a avantage. Qui est très compact. On s'approche du but. Edinson Cavani. Adrien Rabiot. Oh, peut-être un changement de possession après ce tacle. Avec un tir. Voilà, c'est typiquement le genre d'occasion. Allez, biscotte Cavani. Toujours ce petit but de retard. Où ça s'agit autour de l'arbitre. Ouais, c'est le jaune. Étonnante, hein, ces statistiques qui confirment nos impressions dans ce match. Bon, on a une équipe qui tente moins que son adversaire, mais qui pourtant mène au score. Et l'arbitre a décidé qu'il y aurait 5 minutes de temps additionnel. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action.
les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oh, c'est trop fiant. Allez, il y en aura d'autres, les gars, il y en aura d'autres. Tolisso, Yann Gambiwa. Hop. T'aurais pu la toucher, tu sais, ça m'aurait pas dérangé. Oh, magnifique. Clément Grenier, Nabil Fekir. Joli. Joli. Bon, Fekir, lui, j'ai eu foutre une pété dans sa gueule, lui, il me saoule. Même si tu es un joueur qui se place bien, à part ça part bien, action dangereuse. Je sais pas pourquoi, il y a Cavani, mais lui il fallait qu'il la passe au loin. Non, elle est sortie là, oh. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ah là, je suis pas d'accord là, oh. Tu joues à ça l'arbitre, on va y jouer, hein. Y a pas de problème. On s'approche de la zone de vérité. Tolisso. Allez, mi-temps, vas-y, siffle. Tu vois, seconde période, ça a changé. C'est parti. 45 premières minutes satisfaisantes hein, sur le plan du score pour l'Olympique Lyonnais. C'est reparti pour la seconde période. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention, le centre. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. Atem Ben Arfa, quelle hostilité, vraiment. Et ça n'a pas l'air de s'arranger. Hein. Ils ont décidé de poser le jeu. D'attendre le bon moment pour tenter une percée. Les défenseurs qui sauvent son équipe, oh, incroyable. Allez, on presse les gars, allez. Adrien Rabiot. Non, ça ne passe pas. Les gars, si vous voulez vous mettre tous les deux sur le même joueur, faut le dire. Hein. C'est bien beau de contrer, mais si quand je te demande d'avancer, tu recules, c'est pas la peine. Ouais, très propre attaque. Ça sera donc une touche. Maxwell Cornet. Le ballon dévié en touche. Marquinhos. Aurier. Putain, mais fais ta passe, bordel, nom de Dieu! Je vais pas la demander 106 fois quand même. Putain, c'est chiant au bout d'un moment quoi. Il parvient à stopper cette offensive. Attendez la fin. C'est bien de faire des passes aussitôt. Pareil, ils la font pas. Ah non, faut pas commencer gros. Je te le dis direct. Christophe Jallet. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Il lui donne en profondeur. Il prend sa chance. Corner. Ouais, ça c'est bien défendu. Corner à suivre. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Redoublement de passe pour créer de l'espace.
L'équipe à domicile qui devrait bientôt... Allez, putain, prends le ballon, bordel. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Fais ta passe, putain, ça fait 20 fois que je te le demande. Oh là 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 là. Ouais, c'est impressionnant. Une rencontre qui, je l'espère, sera intéressante. Adrien Rabiot. Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Tricoliac. Christophe Jallet. C'est pas la peine. Je fais un changement de joueur, il veut pas, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc c'est pas la peine que je demande un autre joueur. Pas fini. Vous en rendez compte, les amis? Il faut que j'appuie 20 fois sur la touche A pour qu'il fasse une passe. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Les joueurs vont retrouver Angesco pour cette prochaine rencontre et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Pour moi, ce sont eux les favoris. Main, penalty. Qui estime qu'il y a faute? Penalty. Merci, Cricri. Maintenant, défensivement, faut être là. Attaque, faut mettre au moins un but. Le gardien. Très bon péno. Un nouveau but qui porte le score à 4-3. On ne s'ennuie pas. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Et Maria. Aurier. Changement tactique pour les visiteurs qui vont, semble-t-il, privilégier le hors-jeu. Ah, oh, dommage. La tactique payante est parfois décourageante pour l'adversaire, mais enfin, attention, il faut bien la maîtriser. Hein. Non, mais c'est pas grave, tu la maîtrises pas. Ça part bien, action dangereuse. Avec un tir. Ah, c'est au-dessus. J'ai à peine appuyé. Ça qui est chiant dans FIFA 17, c'est vous appuyez un peu sur le bouton tir. Le ballon il part à 20 km au-dessus. Ah, il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Ça profite au Lyonnais, l'arbitre fait signe, avantage. Attention, il a du champ devant lui. Les Parisiens qui récupèrent. Ok, c'était pas vraiment pour Cavani au départ. Hop. Là, tu dis. Il faut tourner. Choisis la frappe. Corner. Ouais, corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Là, tu dis. Il veut faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le tir. Ouais, le gardien qui gagne le duel face à l'attaquant. Donc on peut changer encore un corner. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des corners? Ouais, la frappe. Corner. On a atteint l'heure de jeu. Non, 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 c'est pourri, ça. La défense qui veille. Aurier. Il passe le dos pour Di Maria. C'est finalement un ballon perdu. Attention à cette perte de balle au milieu. Les 30 derniers mètres. Ah, oh, dommage. Interception. Bien, parce qu'il y avait danger. Ouais, il y a une main, l'a bien vu. Hein? Je joue de la tête, gros! Putain, mais sérieux, quoi!
Ouais, bah écoute, je joue plus de ballon de la tête, je joue plus de ballon du pied, comme ça, il n'y aura rien, tu sais. Putain, c'est quoi ce délire, quoi? Il récupère un ballon facile. Da Silva. La tête belle à fin. Adrien Rabiot. André de Maria. Clément Grenier. Nabil Fekir. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ils vont peut-être parvenir à trouver. D'accord, alors maintenant t'as le joueur, mais le joueur ne répond pas du tout. D'accord, ok, bon, bah ça fait un peu trop de choses à mon goût. C'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche. André Di Maria. Allez, peut-être une bonne occasion. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. La tête de la fin. Le ballon est trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Attends, mais. Non, ça va. Eh, y a pas faute là, putain, il tire le maillot là. Mais t'es sérieux quoi, putain, mais arrête l'arbitre, sérieux, ça devient gavant. Bien défendu. Je suis sûr, là j'aurais fait faux. Là je suis sûr que j'ai droit à un carton jaune. Putain, mais c'est pas possible quoi. Donc maintenant il n'y a plus faute sur les tirages de maillot. Tu fais une tête, il y a main. Donc ce qui veut dire que la tête est considérée comme une main. D'accord, ok, bon, ma foi. On va prendre l'anatomie humaine, hein, gros. Aurier. Sur l'aile avec Di Maria. Ouais, jolie conservation du ballon. Attention à la frappe. Oh putain, c'était bien joué ça. Ça part bien, action dangereuse. Qui va donner ce centre. Quentin Tolisso. Faute. Le joueur lyonnais qui a commis, ouais, une faute. Tu m'as fait peur, l'arbitre là. Je crois qu'il est pacifié. Kovac. Maxwell. On s'approche de la zone de vérité. Il sent Edinson Cavani. 4 partout. Ah, tu vois, Hervé, les joueurs ont bien fait de s'accrocher. Ils reviennent à égalité avec leur adversaire après avoir été menés par 2 buts d'écart. Et en plus, maintenant, l'écart psychologique est clairement pour eux. Ah, les défenseurs qui ont tiré à ne plus lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à 2 buts. Ils n'ont rien lâché. Ils viennent d'égaliser. Qui sait ce qu'ils peuvent faire maintenant? Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ouais, bah, faire qu'on tienne. Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Clément Grenier. André de Maria. Matuidi. La passe de Matuidi interceptée. Un bon ballon d'attaque. C'est bien de faire des. Alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Et bien. Là, le coup franc sera contre Lyon. Il n'a pas compris. Kovac. André de Maria.
Attention, ça peut être dangereux. Ah, tu dis, ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. David Fekir. Ouais, joli, le 1-2. Clément Grenier. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Maxwell. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, dommage. Possession de balle assez équilibrée, on le voit. Souvent la clé du match est là. Hein. Clément Grenier. Oh, je passe à travers. Alexandre Lacazette. D'accord. Il la joue un petit peu comme on rend, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la main. Je vais marquer. Et les supporters qui montent, qui sont là pour soutenir. Ah, oh, oh, putain, ouais, peut-être que je fasse des remplacements. Qui est fatigué. Bon, Di Maria, t'as pas fait un super bon match. Alors, on va faire un truc qui est pas habituel. C'est important, hein, ça permet de se reprendre dans les moments difficiles. L'entraîneur qui a fait signe qu'il y aurait un double changement. Allez, comme ça, moi, les deux changements, il y aura au moins deux changements. La bonne passe dans l'espace. Oh, c'est dangereux. Moi, va te faire foutre. Je joue le ballon, l'arbitre, là. Va te calmer, toi, tu sais. Va reprendre les bases du foot, gros. Touche le ballon. Ouais bah putain, il y a une justice. Oh enfoiré, sans douter. Le Lyonnais qui essaie de porter le danger. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Cavani. Non, j'ai demandé plus fort que la passe. Oh, arrête gros. Adrien Rabiot. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être. Elle, la voilà, la frappe. Et le ballon. Elle était belle. Les joueurs de Lyon qui obtiennent un coup franc. Donc maintenant, en fait, oh l'arrêt, oh l'arrêt. En fait, maintenant, pour faire une grosse passe, faut que je la fasse pas forte. Et s'il faut que je fasse une passe pas forte, enfin, si je veux une passe pas forte, faut que je la fasse grosse. Ok. Tout est inversé, super. Pourquoi pas, ma foi. C'est original. Ok, non mais quand tu piques le ballon, t'écartes pas gros. Ils vont faire sortir la défense, hein, c'est clair. C'est un centre. Laisse les cesses. On est gâté hein, dans ce match, 4-4. Quelques minutes encore à jouer dans ce match. La prochaine rencontre de cette équipe, Pierre, c'est quoi? Les Lyonnais doivent affronter le FC Nantes lors du prochain match. Ouais, les joueurs aujourd'hui, un match nul qui semble les satisfaire. Ouais, mais pas moi. Allez, peut-être une bonne occasion. Un bon conduit de Lucas. Putain, 5-4, je l'avais dit que c'était... qu'ils avaient fait une erreur de mettre 3 buts comme ça, ils sont malades. Le PSG qui va certainement faire la décision en toute fin de match. Ce n'est plus qu'une affaire de minutes désormais. Regardez, maintenant il faut rester bien en place, être vigilant. Allez, Lucas. On a quand même l'impression que le PSG a fait. Il rentre, il marque. C'est pas magnifique ce coaching. L'OL qui est. Oh, par contre, Rabiot, un peu absent, quand même. Jérémy Morel.
efficace. Arrière Pastore. Un bon ballon d'attaque. Ouais, le bon centre là. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus pro. Elle donne la balle. Matuidi. Maxwell. Ouais, dans le trou. Ah non, ballon perdu. Ok, il a pas fait la passe. C'est original. Ouais, ça pousse là, il reste peu de temps pour coller au score. Olympique Lyonnais. Hop. Qui progresse dans le camp adverse. Javier Pastore. Le casse. Adrien Rabiot. La tête de la fin. On s'approche de la zone de vérité. Merci. Alphonse Areola. Javier Pastore. La tête de la fin. Et le duel est gagné. Bon, bon. Le défenseur sur cette action. Alexandre Lacazette. Lucas. On s'approche du but. Non mais. Là vous êtes témoin. J'ai fait la passe à Rabiot. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à. Et non pas à Cavani. Javier Pastore. Ça peut faire mieux. Oh. Non, sans problème pour le gardien. Ah, j'ai voulu la mettre en finesse. Attention, ça peut être dangereux. Encore une bonne passe. Javier Pastore. Oh. Ah, Javier. Je sais bien que je perds une oreillette. Attendez, s'il vous plaît, Marty. Ça me saille, voilà. Les 30 derniers mètres. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Touche pas moi. Hein? Tu veux qu'il la touche, monsieur l'arbitre? Oh, putain, mais t'es sérieux, quoi? Balbuena. Putain, faut arrêter de fumer loin, je gros. Hop, hop, hop. Le centre. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Touche pas moi. 5 minutes de temps additionnel. Ça va pousser, Pierre. Ça va, Thème. Il est confiant, hein, ce public. Hein. Il pense que son équipe a le temps d'égaliser et même de marquer le but de la victoire. Ils ont la foi, hein, dis donc. Waouh. Dans le dos. Ouais, ça va pousser, hein, dans les dernières minutes pour égaliser. Ça nous tenir. Allez, contre-attaque, gros. Grosse contre-attaque. Oh. Choisis la frappe. Radio, tu m'as pas fait ça face à nous. T'es comique ou quoi là? Putain, t'as craqué, gros, sérieux. Ouais, oh, joli. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ah ouais, bien donné en profondeur. Tu vas donner ce centre. Il ne trouve personne sur ce centre. Attention, il a du champ devant lui. Et il centre. Ballon rendu à l'adversaire finalement. Tolisso.
C'est angoissant. Blaise Matuidi. Adrien Rabiot. Lucas. Joli. Oh putain. Heureusement, j'en pouvais plus. C'était un match complètement débridé, avec un énorme retournement de situation. Tu m'étonnes. Mener 3-0, gagner 5-4. Pas donné à tout le monde. Alors on se demandait avant la rencontre qui prendrait le dessus entre la meilleure attaque et la meilleure défense. Eh bien voilà, la meilleure attaque du championnat s'est imposée ici sur la pelouse de la meilleure défense en mettant la manière. Pierre. Tout le monde voyait leur défense comme une forteresse imprenable de ce championnat. Mais la meilleure attaque de la compétition a su montrer le contraire en les surclassant largement. Ouais. Il a vu son partenaire. Après le match, voilà, c'est vrai que ça fait un beau retournement de situation, mais, grosse erreur là par l'arbitre, grosse erreur au niveau jeu. Je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, j'ai rien compris moi non plus. Donc du coup j'ai 5 points d'avance sur lui. Ok. Nantes 4e, Monaco 5e, on a Marseille 9e. Avec 12 points d'avance sur eux. Saint-Etienne 14e. Toujours dernier, Dijon. Et Nancy, bah c'est aussi relégable. Hein. Bordeaux qui sont 7e. Ok, Toulouse 13e. Ouais, pas de problème, ok. Enfin voilà. Donc, les patates, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez chaud patate, bien évidemment. Et on se dit. Il me semble que c'est mercredi pour PSG Angers. Bye bye, c'est marqué en plus.